Et on est de retour pour cette quatrième partie de The Evil Within. Donc qu'est-ce qui se passe en haut de cet escalier? C'est ce que nous allons voir. Et il n'y a rien. Génial. Voilà. Oh, un village. Merde. Merde. Oh merde. Je ne pourrais plus faire demi-tour. Ma vie est nulle. Fuck my life. Oh. Mais non, pas tape pas dans la vide, putain, tape dans le corps. Débile. Seringue. On a combien de... On a 3 allumettes, bah tant pis. Hein. Non, ça va, c'est juste dépendu juste à la... quoi? On prend la bouteille. Ça peut toujours être utile. Oh, il y a de la lumière là. Allez, on va rentrer dans cette charmante baraque. Bah non. Ok, là j'ai été surpris. Tiens, des carreaux explosifs. Bah oui. Donc. Nous disions donc. On va aller dans cette. Là, pour prendre. Ah oui, pour voir que. Non, on va prendre ça. Là. Ça sera rien qu'à 1800. Donc c'est plein, mais je peux pas. Je peux sortir par là. Je peux pas sortir par là. Putain. Horrible. Et par là, je peux pas sortir non plus. C'est bien, c'est juste un endroit pour faire masse bruit, quoi. Génial. Donc il y a un piège qui est là, en fait. Je peux rentrer par cette porte-là ou pas? Non. Oh. C'est une mine de proximité. Putain, t'es pas sérieux, quoi. Oh là là. Quand ça pète pas à droite, ça pète pas à gauche, quoi. Oh là 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 là. Vous pouvez éviter les pièges explosifs en passant en mode furtif. D'accord. Ah bah ça va, on le saura pour la prochaine fois. Bon, du coup, on y retourne. Là, on va chercher le liquide vert. Mais arrête de... Voilà, 1800, très bien. Hop. Juste voir s'il n'y a pas une autre entrée à cette maison, en fait, hein, tout simplement. Bon, et on va marcher en mode discret dans la maison, hein. Histoire d'éviter ces pièges explosifs à la con. Et mode discret. Et du coup... Non, mode discret. On reste en mode discret. Mais est-ce qu'on peut prendre les bouteilles quand même en mode discret? Oui, on peut. Ah... Ah oui, ils sont là, les pièges explosifs. Et du coup, si je me mets là et que je lance comme ça. Parfait. Et du coup, on prend ici la bouteille là. On vise et meurt. Et j'étais pas assez loin. Allez, on avance. Attendez, non, on va d'abord aller fouiller dans... Ah, cool. Plus 500 de gelée verte. On va l'appeler la gelée mentale. Explorons la maison. Mode furtif, il y a peut-être des pièges. Pour le moment, pas de piège. Laissez, par ici. Oh non. Non. Quoi? Oh non. Non. Qu'est-ce que... Je peux dormir sur le lit?
Ah, je peux me planquer sous le lit. Apparemment. Apparemment, pas de problème. C'est quoi ça? Oh, nice, une torche. Une grenade. Ah non, une torche. Pas du tout. Cette grenade à manche est une réplique du siècle dernier. D'accord. Oh ouais, j'ai bien fait de venir dans cette maison. On a chopé une grenade. Oh, oh. Qui est là? Non, ne tirez pas. Je ne suis pas comme eux. Je suis docteur. Marcelo Jiménez. Vous étiez dans l'ambulance avant l'accident, c'est ça? Oui, on l'a échappé belle. Vous n'avez pas vu les autres? Non. Seulement mon patient, Leslie. Je l'ai vu fuir par là, mais... Mais voyez par vous-même. Mais pas un bruit. Mais pas un bruit et il commence à courir, quoi. Alors attendez, avant de... pas un bruit, machin. Oh, oh. Il y a un corps là-bas, il y a un ennemi. Ouais. Toujours tout explorer, hein. On peut ouvrir cette porte? Chut. Pas un bruit. Bon, il n'y a rien du tout, hein. Ah! Si. Une petite gelée. Une gelée cérébrale. Miam, miam, miam. Oh, un piège. Haha. Eh ben non. Allez, c'est pas la peine d'ouvrir tout doucement, quoi. C'est bon. Donc, nous a dit pas un bruit. Qu'est-ce que c'est? Voyez par vous-même. Ces choses, elles m'ont poursuivi jusque dans le village. Moi aussi. Il y en a partout. Et ouais, c'est trop la merde. Et Leslie est passé par ce portail. Ouais. Ah ouais, d'accord. Il y en a trop pour qu'on passe en force. Ouais, non, on pourra pas. L'un de nous pourrait tenter de les éloigner pendant que l'autre ouvre le portail. Vous êtes le seul à être armé. Oh. J'ai des doutes. Imaginez, évidemment. Alors. Ça marche pas? Oh, sérieux, ça marche pas, quoi. Ah, ces maudits pièges. Il y a une manivelle sur la terrasse. Actionnez-la que je puisse passer. Ah oui, d'accord, donc il fallait attendre. Oh putain, c'est... D'accord, et maintenant j'attends. Mais n'y va pas avec ta torche. Par ici. Là. Hé hey, par ici. C'est ça, suivez-moi. What the fuck. Il va juste réussir à se faire tuer. La grenade, elle est où, la grenade? Là. Allez, prends la grenade. Mais putain de... Prends cette foutue grenade à la con. Oh putain, en fait, il faut maintenir et puis... Puis sur A pour l'équiper. Oh là là. Grenade! Qui aurait été inutile. Normal. J'aurais peut-être dû la lancer un petit peu plus tôt. Bon, on va dire qu'on n'a pas tout notre temps et que on doit quand même un petit peu tracer. Non. C'était quoi ça? Ah la meuf. Oh merde, y'en a un autre.
Non mais... Oh putain, ouais mais non. Putain, attends, on est vraiment une merde en fait. Ou alors je pourrais utiliser le pistolet en fait, c'est vrai. Allez, on reprend. Donc on reprend d'où? Oui, on reprend de là, on avance. Et l'autre va casser la vitre. Tape! Oh putain, le coup de hache, quoi. Donc on ne peut pas aller par là. Très bien. Donc, en fait, face des ennemis n'est clairement pas une bonne idée. Bon, allez, on va sprinter un peu. Donc là, on peut pas détruire, d'accord. Allez, ouvre la porte. Puis là, on va passer par en dessous. Et puis après, on va par où? Allez, toi, tu meurs, voilà. Oh putain, recharge! Je ne vois rien. Comment tu veux tirer sur un ennemi sans rien voir, quoi? Allez, tiens, crame. Moi, je prends l'allumette. Il y en a un autre. Oh putain, il y en a un autre. Ah bah voilà, un tir en pleine tête, c'est efficace. Ouais, ouais, sauf qu'il essaye quand même de me taper après, hein, mais bon. Il y a un gros porc qui est pas content, là, il fait... Ok... Je crois qu'il n'y a plus moyen de... La discrétion n'est plus de mise, hein. Alors, t'es toujours dans l'escalier? Non. Ok. Oh, cool. Est-ce qu'on peut prendre la hache? Cool. Ça va chier. J'ai une hache, les gars. Fini de rigoler. Hein? Là-dedans, y'a rien. D'accord. Non. Je voulais le faire discret. Et on va sortir de la maison. Hein? Ah, ça c'est d'accord. Je crois pas que c'est une bonne idée de monter, hein. Vu les bruits qu'il y a. C'est quoi ce truc? Oh! Et ce machin qui nous... Regardez! Ce machin qui essayait de nous buter tout à l'heure, là. Tout début. Ah, on peut monter à... Non, 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 putain!
Bon, ne faisons pas la même erreur que la dernière fois. Et rechargeons d'abord avant le combat. Allez, passe. Voilà. Et le deuxième est là. Voilà, hit shot, bon. Putain, mais un hit shot, là, tu butes même pas, quoi. Mais meurt. Oh le, mais il a plus. Je suis mort. Jeu de merde. Putain. Oh là là. Si vous avez des pièces détachées, vous pouvez fabriquer des carreaux. Bah oui, mais déjà. Faudrait avoir l'arbalète. De base. Alors la policière, elle va où? Elle sort par là, d'accord. J'étais là, genre, cette fois, elle se relève. Ok, elle se relève pas. Non. Voilà, bon. Normalement, ils sont morts. Normalement, il n'y a plus rien. Bah, j'ai plus que 2 balles. C'est relou. Mais j'ai une hache. J'ai récupéré ma hache. Si je prends ma bouteille, ah oui, si je prends une bouteille, j'ai plus de hache, quoi. D'accord, c'est A ou B, quoi. Nice. Oh. Merde. Alors, on se met en mode discret. Je sais vraiment pas si c'est une bonne idée en fait d'aller dans cette maison, mais continuons d'essayer. Alors, donc il y avait un piège explosif qui est où? Ah, qui est juste là, d'accord. Oh, un piège à loup. On l'a vu, hein, le piège à loup. Du coup, on va aller tout près, on va le désarmer. Voilà. Je sais pas si ça a servi, mais... Bon, continuons. Par là, y'a rien. Ah si, quoique... Voilà. En mode furtif. Par contre, on n'allume pas la lumière. Ah non. Ah plein. Eh ben, on va cramer ça. Sprint. On va monter. On va prendre l'échelle. Hein.
Ok. Et ici, qu'est-ce qu'il y a? Des pièces détachées. Une clé. Bah écoutez, c'est toujours ça de pris, hein, la clé. On verra ce que ça déverrouillera. Et du coup, maintenant, on peut pas accélérer en descendant, non. Ok. On peut se laisser tomber. Très bien. Alors, accélérons, hein. Bon, on a pas que ça à faire. Mais t'arrêtes pas. Oh là là, t'étais pas au bout de ton endurance, quoi. Oh, un... Ah non, j'allais dire, oh, un cochon, non, pas du tout. Alors... Est-ce qu'on peut le libérer? Non. Bon, réavançons. Merde, faut que je me planque. Effectivement. Putain, faut que je me planque, quoi. T'es sérieux? Faut que je me planque. Bah remonte. Et pourquoi il faut se planquer? Putain, on est de retour à notre point de départ. Quoi? D'accord. Et on ne voit toujours rien. Putain, on... Ok, retour au point de départ. C'est comme si on n'avait rien fait. Sauf qu'on a une hache et une clé. Bon. Est-ce que cette clé ouvrirait? J'ai une clé, non? D'accord. Ah, c'est une bête bouteille, j'étais là. Oh, une bouteille pour faire un cocktail Molotov. Lol. Quelle heure. J'essaye de piquer un sprint. Ouais. Gros sprint, hein. What? Oh genre, on me tire dessus, quoi. Putain, genre, ok, je me fais tirer dessus, quoi. J'ai rien fait. Je veux juste sortir et là, non, meurs. Prends des dégâts. D'accord. Bah écoute, mec, toi qui essayes de me tirer dessus, je vais te balancer ma hache dans la gueule. Alors, il y en a un juste là. Est-ce que je peux l'avoir par surprise en rentrant? Oh, ça serait... Ça serait génial. Je rentre comme ça, hop. Oh putain, merde. Oh, y a l'arbalète. Ah, c'est efficace la hache. La hache, OS, voilà, merci cordialement. Et on a l'arbalète. Nice. Carreau explosif, carreau, il se plante et puis il explose. Ok, normal, c'est carreau explosif, quoi.
Alors, RB pour fabriquer un carreau. Si agonie est sélectionné. Alors, RB. Là. Très bien, G, 3 carreaux. Oh putain, en fait, il suffit d'appuyer une seule fois. Moi, j'étais en mode, oh putain, il faut appuyer, maintenir. C'est trop relou. Mais en fait, non, il suffit d'appuyer et on sélectionne le truc qu'on veut, quoi. Oh là là. Je suis une merde, parfois. C'est bien de comprendre ça après autant de temps de jeu. Allez, on se remet en mode furtif parce que... Parce que voilà, peut toujours y avoir des pièges ou quoi. Par contre, on éteint. Et... meurt. Putain, il y en a un qui est juste là derrière. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Un shotgun! Alors là. Alors là. Et là, ce sont des balles pour shotgun? Non. Et ben, c'est sur cette découverte du shotgun que nous allons marquer encore un break, une petite pause de 2 minutes, de 5 minutes, pardon. YouTube, prochaine vidéo, comme à chaque fois. Ne bougez pas, restez là. On revient tout de suite après le cut.